Bonjour à toutes et à tous. De retour sur le plateau du Vape Expo pour cette première conférence du lundi 22 septembre 2014 à Paris, à la Villette. On va parler cet après-midi de la directive européenne, directive sur les produits du tabac et son implication en ce qui concerne les produits de la vape, la cigarette électronique. Je vous présente nos trois invités cet après-midi. Honneur à une des militantes ferventes de la cigarette électronique en Europe, Lauriane Joly. Bonjour. On va prendre un petit micro. Vous êtes militante à l'ECA UK, qui est une association des vapeurs américains. Il va falloir aussi vous trouver une petite oreillette, je pense, pour que vous puissiez suivre nos échanges. Arnaud Dumas-de-Roly, le président de la FIVAP. Bonjour. Et Nick Winborn, DCIG Intelligence, vous êtes directeur des affaires juridiques et réglementaires. Bonjour. Bonjour. Avant d'entrer dans le vif du sujet et des débats, je dois vous faire part d'un mot qui nous a été envoyé de la part de Frédéric Ries, la députée européenne belge, qui était invitée, qui aurait aimé être présente cet après-midi, mais qui ne peut pas être là. Elle travaille notamment sur un rapport des OGM au Parlement européen. Mais elle nous a envoyé un message que je vais vous lire. Et Frédéric Ries aussi en un mot hein, pour la présenter, c'est une députée européenne qui a été particulièrement engagée à l'époque des débats sur la TPD, sur la directive européenne qui a été adoptée le 4 avril 2014 à Bruxelles. Il y a un délai de 2 ans pour la transposition, mais c'est vrai que Frédéric Ries a été un relais très important pour la communauté des vapoteurs. Alors je vous lis son message, je tiens à saluer les vapoteurs et les acteurs présents à ce salon Vape Expo de Paris, et je regrette de ne pas pouvoir être à vos côtés cet après-midi. Avec ce message, je souhaite vous féliciter pour l'engagement qui est le vôtre au service d'une révolution technologique qui doit permettre de diminuer considérablement les méfaits du tabac en Europe et dans le monde. Grâce à la mobilisation des vapoteurs européens, la directive européenne a pu être modifiée dans la bonne direction ou la moins mauvaise, même si nous savons tous qu'elle ne correspond pas parfaitement, loin de là, aux attentes légitimes des associations d'utilisateurs. Après l'adoption de ce texte, c'est au niveau des États membres qu'il convient premièrement d'agir afin d'expliquer le potentiel inédit de la vape, ceci pour inciter les différents gouvernements à œuvrer réellement en faveur de la réduction des risques du tabac, alors que le tabagisme est la première cause de décès évitable en Europe, responsable de la mort prématurée de 700 000 personnes chaque année. Heureusement, le débat sur la cigarette électronique continue à se poursuivre au sein de l'Union européenne. La Commission européenne doit ainsi mener une nouvelle étude qui, nous l'espérons tous, permettra de changer positivement la perception de la cigarette électronique, à l'image des nouvelles études de 2014 expliquant les bénéfices de la vape pour contrer l'épidémie du tabagisme. L'initiative citoyenne européenne EFVI a aussi permis de défendre l'idée selon laquelle une autre régulation de la vape est possible, plus soucieuse des attentes des ex-fumeurs, désormais vapoteurs. J'espère que la vape européenne répondra efficacement, librement et de manière responsable aux attentes qu'elle suscite. Et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent Vape Expo 2014. Avant de commencer les présentations, peut-être, Lauriane, une réaction par rapport aux mots de Frédéric Ries. C'est une personne que vous avez pu rencontrer, dont vous avez pu suivre les travaux. Non, Frédéric, en fait, on n'a pas vraiment travaillé ensemble. C'est vrai qu'on a travaillé de pair parce que Frédéric connaît bien la situation et en fait comment ça se passe aussi chez nous au Royaume-Uni. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé ensemble etc. Et donc il y a eu beaucoup de respect de la part de Frédéric. Et puis elle est passionnée en fait, c'est ça. Elle est vraiment passionnée par ce qu'elle fait. Elle le fait de façon authentique et ça c'est vraiment important. Donc, en fin de compte, il y a tout ce qui concerne ces aspects au niveau
des normes aussi, des directives, TPD, et tout ce qui est, tout ce qui concerne les aspects aussi négatifs au niveau de la cigarette électronique. Et donc vraiment, il y a eu des membres du Parti conservateur qui ont été, enfin, qui nous ont créé un peu de difficultés. Néanmoins, Frédéric, bon, vraiment, c'est clair, c'est excellent tout ce qu'elle fait, et au niveau des processus aussi, c'est très important. Au moment de l'adoption de cette directive européenne. L'objectif néanmoins cet après-midi, c'est premièrement de parler de l'avenir, des conséquences de l'adoption de cette directive, de sa transposition en France et dans les autres États membres de l'Union européenne. Nicolas, vous avez une première présentation générale par rapport à la directive européenne. On vous passe la parole. Merci beaucoup. Bon, je vais parler en anglais. Demain, je parle en français, mais là, je... Merci. Merci beaucoup. La question, le débat est très vaste. Je pense que on a déjà pu y répondre sous pas mal d'aspects. Il y a 4 ou 5 points néanmoins qui sont importants dans le futur et dans les 2-3 prochaines années. C'est tout à fait important, y compris par rapport à notre situation quotidienne aujourd'hui. Alors, nous avons bien sûr des défis à relever, en particulier par rapport à justement ces normes TPD, mais également tout ce qui concerne les pays européens et donc tout ce qui est fait dans les différents pays et les différences aussi. Donc très brièvement, je parlerai du Royaume-Uni. Ensuite, il y a tout ce qui concerne la transposition, donc les efforts qui sont menés à bien, en cours d'ailleurs, et qui ont déjà commencé dans pas mal de pays. Et je dois dire que cela, c'est un travail important à faire. Et nous devons aussi avoir tous les contours, hein, n'est-ce pas, autour de la situation globale. Et puis, on a des défis aussi sur cette transposition dans les différents pays, comme je le disais. Donc, voilà, il faut voir un petit peu ce qui se passe à partir du moment où la directive va être transposée. Et à ce moment-là, par rapport à l'adoption du TPD, voir quels sont les efforts qui sont menés à bien au niveau de la standardisation. Bon. Y compris avec un parallèle entre la France et le Royaume-Uni, pourquoi pas. Et par rapport à cela aussi, il faut voir quel sera le développement des producteurs aussi et des bonnes pratiques, hein, n'est-ce pas? Ça, c'est fondamental. Alors, rapidement, quels sont les défis par rapport au TPD? Ça, c'est très, très important. Ce sont des pré-transpositions et des défis à relever sur ces points-là. Alors, je l'ai déjà dit, ce sont situation britannique, donc chez nous, mais il faudrait essayer de les élargir. Il y en a une qui est vraiment intéressante par rapport à notre propos d'aujourd'hui, qui est quelque chose lié aussi, un point lié à la production des liquides au Royaume-Uni. Et puis, je pense qu'on a aussi d'autres défis à relever dans les mois suivants, toujours sur ces e-liquides et leur transposition et en justice qui ont été engagées, notamment de la part de PMI ou d'autres acteurs comme Totally Wicked, ont une chance d'aboutir, ont une véritable chance d'être reconnus comme valides, notamment auprès de la Cour de justice de l'Union européenne. Bon, j'espère. Mais pour... Allez, 2 contre 1, 3 contre 1. I don't think these challenges... Non, je ne pense pas que c'est possible. Bon, attention, l'idée ici, c'est qu'il faut être clair, ce sont des points forts, et puis aussi, il faut voir tout ce qui est, tout ce qu'il faut faire au niveau de la Cour européenne de justice, au niveau des connexions possibles entre les directives, et aussi le mouvement interne qui doit être mené à bien dans tout cela. Et bon, je pense que ça va être fait dans cette instance, puisque... on a des niveaux de concentration, on a des prescriptions aussi au niveau des dimensions. Et là encore, on va voir comment ça se passe. Bref, je vais en parler à la fin, donc on y arrivera après, si vous le voulez bien. Mais bon, je pense que par rapport à la Cour de justice, en effet, je pense que ça va leur suffire par rapport à ce qu'ils font en général et au niveau des directives. Donc c'est tout à fait légal, oui, absolument. Alors,
Peut-être passer pendant deux minutes la parole à Lauriane, mais il y a aujourd'hui beaucoup d'interrogations par rapport à l'application concrète de la directive. De nombreux points, comme la délivrance constante de nicotine, comme le contenu des notifications que devront faire les producteurs de e-liquide lorsqu'ils voudront lancer un nouveau produit sur le marché. Tous ces points-là sont aujourd'hui en débat, mais le contenu est encore incertain. Lauriane, les points sur lesquels vous avez été le plus mobilisé, quels ont été les points principaux que vous avez contestés au moment de l'adoption de la directive ? Alors, je pense, bien évidemment, d'un point de vue des consommateurs, je ne parle pas là des producteurs, etc. Bon, qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde comment le public est traité, comment les consommateurs sont traités. On voit qu'au niveau des TPD, il y a pas mal d'aspects. Les 20 mg de limite, par exemple, par rapport à ce qu'on a dit, tout ce qui concerne la réglementation sur ces points-là, eh bien, ça a effrayé le public. Et puis, on a vu aussi qu'il y a des groupes importants, comme les médecins britanniques, ou des lobbies au niveau de la santé, etc., des groupes qui jouent un rôle important et sur la nicotine, sur le contrôle de la nicotine et des substances. Je pense que j'ai eu ici tous mes e-liquides confisqués à l'aéroport hier, figurez-vous, et la raison est que c'était un contenu dangereux. Alors, bon. Ça fait partie de la mentalité de certaines personnes. Et là encore, c'est l'une des choses que l'on doit faire, c'est voir comment ça se passe. C'est-à-dire qu'en France, il y a des limitations à 20 mg, n'est-ce pas ? Et selon les pays, ce n'est pas la même chose. Et donc, il faut voir comment ça se passe. On va... Il y en a d'autres, c'est à 54, donc ça dépend des pays. Bref, au Royaume-Uni, c'est 18, hein, donc c'est ça. Il faut voir les moyennes qui sont permises. Et je pense que aussi, ce qui est important, c'est de voir... La crainte que l'on met dans les personnes. Pour revenir aux aspects réglementaires, aussi pour préciser au public ici, la directive européenne, elle concerne premièrement les produits du tabac. C'est une révision d'une directive européenne relative aux produits du tabac. Et avec la cigarette électronique, elle crée une nouvelle catégorie, produits du tabac connexes. Donc on est pas sur les produits du tabac au sens strict, mais néanmoins une catégorie à côté nouvellement créée. Absolument. Et non seulement en Europe, hein, on voit, je vais parler en anglais, excusez-moi. Donc en effet, on voit cela de façon importante en Europe, mais également aussi dans comment ça va être géré dans deux ou trois semaines, y compris par rapport à la conférence de l'OMS à Moscou, comme on a dit déjà ce matin. Et en effet, il y aura tout ce qui concerne les articles parus dans la presse, etc. Donc bref, il s'agit de voir les recommandations et voir comment tout va être géré et voir de trouver une réglementation, une définition de tout cela au niveau de la cigarette électronique. C'est comment on décrit la cigarette électronique de façon claire. Alors, que se passe-t-il ? C'est un peu... Alors, la situation en Europe n'est pas la même partout. Attention, il faut voir comment on approche ce problème. À votre présentation, il y avait encore quelques points que vous vouliez mettre en avant ? Bon, je vais parler... Non. Pas vraiment. Je sais que. I realize it's time en fait, moving on. J'ai peu so de temps, donc merci beaucoup. Nous pouvons continuer. Arnaud Dumas-Doroli, on va écouter votre présentation. Alors, il va falloir simplement que vous échangiez vos places. Et Arnaud Dumas-Doroli va nous parler de la transposition de la directive. De manière concrète, il va prendre le cas de l'Espagne, qui est un peu le cas qui fait peur, qui inspire beaucoup de craintes, parce que la directive européenne a été prise en compte par les autorités espagnoles de manière assez stricte. C'est vrai qu'il y a la place aujourd'hui pour réglementer la vape en tant que produit différent d'un produit du tabac, mais néanmoins, on a le sentiment qu'il y a toujours cette tentation de la part des pouvoirs publics d'assimiler la cigarette électronique à un produit du tabac. Alors, bon, je vais rester sur ce slide parce qu'on va en parler très, très brièvement. Aujourd'hui, ce qui s'est passé en Espagne, c'est ce qui va se passer dans tous les États européens
à l'avenir. L'Espagne est un État précurseur. Bon, la directive n'est pas entièrement transposée encore, mais elle est bien 50-60% transposée. Et on se rend compte dans cette transposition que finalement, si je peux m'exprimer ainsi, c'est pas dégueulasse comme transposition. On aurait pu s'attendre à pire. Aujourd'hui, ce qui s'est passé avec l'Espagne, c'est que l'Espagne a un petit peu... c'est pas un monopole des buralistes, mais c'est un peu le même schéma qu'en France, avec des réseaux de distribution bien définis. Ces réseaux de distribution ont fait pression un petit peu sur le gouvernement pour avoir une transposition un peu plus fermée. Le gouvernement a dit « Ok, on va transposer rapidement, mais on va la laisser ouverte ». Aujourd'hui, en Espagne, vous pouvez vendre en tant que professionnel de la cigarette électronique n'importe où. Vous avez juste à notifier à la base votre activité au gouvernement. Alors, je suis désolé, la présentation est en anglais. Je vais la commenter en français, si l'ordinateur veut bien me laisser le faire. Alors, vraiment, juste au début, le principe de l'Espagne, c'est qu'on avait vraiment un marché fragmenté. Tout le monde faisait un petit peu ce qu'il voulait. C'était un peu le Far West, comme on a pu entendre il y a quelques années en France. Et tout le monde se lançait là-dedans. Le gouvernement a pris peur, les institutions ont pris peur, et le public a pris peur. Les vapoteurs ont fait entendre leur voix, mais le mouvement, le grassroots qu'on peut avoir en France, qu'on peut avoir en UK, n'est pas du tout représentatif de ce qu'on peut trouver en Espagne. En Espagne, c'est vraiment, vraiment fragmenté. Et à cause de l'État et de la situation économique espagnole, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui étaient très, très limites en termes de cigarettes électroniques. Du coup, le gouvernement a vraiment voulu transposer rapidement cette loi. Juste peut-être d'un mot pour préciser. La date limite de transposition est mai 2016. La critique qui a été formulée au gouvernement espagnol, et c'est pour ça qu'on en parle aussi comme un contre-exemple, c'est que le gouvernement espagnol a agi dans la précipitation. Le texte européen pour les cigarettes électroniques précise des éléments généraux, mais il y a beaucoup de ces points qui doivent être explicités. Et c'est vrai que la critique qui a été formulée de la part des militants engagés pour la vape a été de dire « Attendez, vous avez jusqu'à mai 2016 pour transposer. Sur la notification, sur la délivrance constante de nicotine, sur la manière dont les producteurs vont pouvoir s'insérer dans ce cadre réglementaire, laissez-nous le temps, dialoguons ensemble pour que nous puissions avoir un texte qui réponde véritablement aux attentes des vapoteurs. » Et c'est vrai qu'au-delà du fond de la transposition espagnole, il y a aussi le timing qui est reproché. Et aujourd'hui, on a quand même un marché espagnol qui est en phase de régression. Il va peut-être repartir, mais il y a un marché espagnol qui n'est pas vraiment florissant. C'est ça. Bah le marché, un petit peu comme tous les marchés européens, hein. Vous avez une très grosse croissance. Et d'un coup, cette croissance a été coupée. Tout le monde avait surstocké. Et du coup, tout le monde essaie de se débarrasser des produits pas chers. Faut savoir que le marché va repartir. C'est le cycle de vie d'un marché classique. Ça va repartir. Mais on va avoir une petite période pendant 6 à 8 mois où ça va être un petit peu plus difficile. Aujourd'hui, ce qui s'est fait en Espagne, c'est quelque chose qui peut se faire ailleurs. Il faut comprendre qu'en tant que professionnel, tout le monde ici dans la salle doit se bouger le cul. Je suis désolé de le parler ainsi, mais doit se bouger le cul. Pour adhérer aux associations compétentes, les vapoteurs doivent adhérer à leurs associations également pour combattre ensemble. Si on ne fait pas les choses ensemble, si on n'est pas unis, on va forcément aller dans le mur. Il ne faut pas laisser les régulateurs et les institutions décider à notre place. On est acteurs de cette décision, on doit vraiment se bouger là-dessus. Juste pour terminer un petit peu sur ce qui se passe en Espagne, un petit point dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis médiatiques. Avec les médias qui amplifiaient tout ce qu'on pouvait entendre sur la cigarette électronique, les scientifiques derrière, qui étaient financés derrière par les laboratoires, qui disaient que la cigarette électronique était mal, tout ça, ça a remué un petit peu dans l'esprit des gens le fait que la cigarette électronique était potentiellement dangereuse. Et c'est aussi à cause de ça que le marché s'est un peu cassé la gueule. Hein. Par rapport aux différents points de la directive, je tiens aussi à préciser qu'elle n'interdit pas le fait de vaper dans les lieux publics.
Elle ne précise pas non plus les modalités de vente, donc on était vraiment dans une approche produit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit la cigarette électronique comme un produit fermé. Les discussions qui ont pu avoir la cigarette électronique comme un produit ouvert, pardon, et les discussions qui ont pu avoir lieu à ce sujet étaient plutôt de créer un système fermé, un peu sur les modèles de la plume, où on avait un matériel avec une capsule rechargeable et on était toujours sur le même produit. C'est un peu la volonté de certains acteurs, notamment de l'industrie du tabac. Et puis, à côté de ça, vous avez donc tous les acteurs indépendants de la vape qui, eux, proposent des modèles beaucoup plus ouverts. Et quand on est consommateur, on va pouvoir utiliser un liquide, une batterie, interchanger un clairomiseur. Et aujourd'hui, l'engagement des associations telles l'ECITA ou la FIVAPE, c'est aussi de laisser la possibilité à ces systèmes ouverts de perdurer et aussi de permettre l'innovation. Je pense que l'interdiction de vaper dans les lieux publics qui a été au cœur des débats de cet été, le fait que la directive ne l'ait pas abordée, c'était un point positif qui a trouvé aujourd'hui une conséquence au Royaume-Uni, où le ministère de la Santé a annoncé, après l'OMS, qu'il n'y aurait pas d'interdiction de vaper dans les lieux publics. Donc on voit, avec cette interdiction de vaper dans les lieux publics, qu'il y a aussi une marge de manœuvre de la part des États membres. Et je pense que l'image de la vape, alors il y a un problème avec Flybe pour le vol de Lorient tout à l'heure, mais moi j'ai aussi entendu dire qu'à Heathrow, à l'aéroport, maintenant on pouvait aussi vaper et que dans tous les lieux publics en Angleterre, on allait pouvoir vaper. Donc ça, ce mouvement va aussi dans le sens d'une distinction entre vape et tabac. Bah, strictement dit, il y a effectivement une distinction et beaucoup de gens qui acceptent qu'il y a cette distinction. Mais au Royaume-Uni, on est quand même bien, puisque une partie de l'industrie est en train de collaborer avec la communauté. Ils ont pas mal de force, pas mal d'éléments. Mais il y a un problème dans la communauté de la santé, puisqu'ils font face à un mur. Certains scientifiques... Ça mène à se contredire parfois. Et parfois, ce sont des données scientifiques qui ressortent, qui sont très surprenantes. Et nous lisons ces données. Et donc, ce que la presse va rechercher, ce ne sont pas les données qui sont toujours fiables, mais ils vont rechercher ce qui fait appel à eux. Donc, et le public va se tourner contre la vape à un moment donné si ce mouvement continue. Et c'est ce qu'il faut éviter. Et donc c'est ce qu'il faut aussi introduire dans la directive européenne. Qui est celui de la logique de l'harmonisation européenne. On sait qu'avec la notification, tous les fabricants vont devoir donc informer leur gouvernement des produits qu'ils mettent sur le marché. Et dans un second temps, chaque pays européen, donc les 28 États membres, devront faire un rapport annuel à la Commission européenne qui aura une vue d'ensemble sur les produits cigarettes électroniques commercialisés en Europe. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, sachant aussi qu'il y aura une étude de la Commission européenne scientifique sur la cigarette électronique pour mettre à jour les données, mais néanmoins cette harmonisation européenne, n'avez-vous pas le sentiment que ça va ralentir le marché, que ça va le freiner ou que ça va aussi... malheureusement peut-être empêcher certains acteurs de continuer leur activité parce qu'on sent une complexification avec un système géré depuis Bruxelles, harmonisé de manière assez intégrée. Moi personnellement je crois effectivement que c'est un élément qui était inévitable. Lorsqu'une industrie se développe et est en croissance, la régulation est là. Quelle que soit l'industrie, et il faut faire face. Et cette industrie est en train de croître, a connu un essor, et se professionnalise aussi. Et je crois personnellement que c'est très important que les gouvernements disposent de ces informations. Et espérons que ça va mener à des recommandations meilleures par rapport à celles qui existent aujourd'hui, une sorte de standardisation aussi. Je vous propose dans un second temps de peut-être passer la parole au public si vous avez des questions. On a reçu aussi des questions depuis Internet en amont du Vape Expo. Je vous la pose, Arnaud. La question était de savoir, lorsque la directive européenne va être transposée, est-ce que tous les modèles de troisième génération vont être interdits ? Alors, c'est en effet une grosse question.
aujourd'hui, on a des possibilités vraiment scientifiques en plus et techniques pour expliquer que ces modèles peuvent persister. Le souci qu'on va avoir, c'est de travailler, et je pèse mes mots, travailler sur le lobbying au sujet de ces modèles-là pour expliquer comment ils fonctionnent et pour faire en sorte qu'ils fassent exactement ce dont c'est marqué dans la notice. Aujourd'hui, les usines en Chine, je viens de passer 10 jours en Chine il y a 2 semaines, toutes les usines chinoises veulent aujourd'hui de la régulation. Ils veulent savoir exactement ce que l'Europe et les États-Unis veulent faire en matière de cigarettes électroniques. Ils veulent avoir des informations sur la réglementation et ils sont prêts à nous aider pour ça. Ils sont demandeurs de ce genre d'informations. Donc quand ils auront toutes les directives et toutes les transpositions possibles et qu'ils vont voir un petit peu qu'ils risquent de perdre tout leur marché, ils vont suivre derrière avec des spécifications techniques et ils sont prêts à nous aider pour pousser tout ça auprès du gouvernement. Donc la réponse à la question est non, ça ne sera pas interdit. Par contre, ça va être très difficile. La bataille ne fait que commencer. Hein. Je rebondis sur ce point-là, Nicolas. C'est vrai qu'on voit sur Internet, on va pouvoir acheter quand même des modèles qui continuent de pas forcément respecter la directive si on l'applique au sens strict. Sur la limite des réservoirs de 2 millilitres, là, c'est pareil, on voit déjà des modèles d'extension. Est-ce que vous pensez que les États membres sont aussi en capacité d'appliquer le texte de manière de la façon dont il a été entendu à Bruxelles ? Well, I think enforcement is one issue. Donc, la législation est une chose, mais pour le moment, il n'est pas du tout clair comment la communauté européenne va, comment ils vont faire appliquer ces règles. Donc, il y a certains systèmes ouverts, et je crois que les pays dans l'Union européenne vont s'y aller de manière différente. Et comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport aux défis et alors, la cour de justice, il y aura certainement des problèmes. Puisque, bien sûr, il y a la circulation libre des produits, mais ici, vous voyez ce produit qui n'est pas forcément standardisé et où il n'y a pas de libre circulation. Et moi, j'étais avocat aux États-Unis, en Angleterre, et je n'ai jamais vu un juge qui a dit « Ok, non, la réalité ne correspond pas, donc on va laisser tomber. » De la directive européenne. Ici. Et on a un micro qui doit circuler. Il est là. Oui, bonjour. En fait, je comprends pas trop comment vous pouvez affirmer que les modèles de troisième génération dont vous parliez ne seraient pas interdits, sachant qu'il y a une ligne dans la directive européenne qui dit que si 3 pays membres de l'Union européenne interdisent un certain type de modèle, l'interdiction pourrait être étendue à l'ensemble de l'Union européenne. Voilà, merci. Alors justement, ça c'est un grand débat aussi. Ce point-là a été mis dans plusieurs directives européennes. Et il faut savoir, enfin Rémi, tu me dis si je me trompe, mais ça n'a jamais été appliqué. Alors sur ce point précis, en fait, il a été surinterprété. Mais le fait que 3 États membres notifient à la Commission européenne le fait qu'un produit est dangereux pour que celle-ci l'interdise, c'est avéré, c'est écrit. Néanmoins, il s'agit de demandes qui doivent être faites au cas par cas. Donc on part d'un liquide, un matériel, un par un, qui devront être notifiés par 3 États membres à la Commission européenne pour l'interdire. Donc si on prend l'exemple des 3e génération, je ne sais pas combien il y a de modèles cet après-midi sur le salon, mais il y en a probablement des milliers. Ça voudrait dire que 3 États membres devraient à chaque fois, et on ne parle pas des nouveaux produits qui arrivent, notifier à la Commission qui ensuite a une procédure pour étudier la dangerosité possible ou pas de ces produits, de l'interdire. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a ce garde-fou que l'Europe a voulu poser pour s'assurer que si des produits qui étaient conformes, disons en septembre 2014, ne l'étaient plus en janvier 2015, elle ait la possibilité de les bannir de l'Union européenne. Mais pour le moment, ce n'est pas via cette procédure que les nouvelles générations seront interdites. Après dans le côté pratique, un État ne va jamais aller dire ça, c'est interdit. Ils ne vont jamais le faire. Hein, parce que ça se fait, politiquement, ils ne le feront pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Hi there. Alors j'ai une question pour Nick. Donc j'ai une question pour Nick. Merci. Je me demande pourquoi tu parais tellement convaincu que ça sera bon par rapport à cette directive et l'article notamment 20. Je crois que le défi est le principe de l'improportionnalité. Et je suis vraiment intrigué puisque tu es un avocat. Pourquoi est-ce que tu crois que ce ne serait pas politiquement acceptable de juger en faveur quand il paraît que lorsqu'on va voir clairement que ça va créer un marché noir de toute façon? Or the other, you know, yes or no. Il fallait trancher oui ou non, bien sûr, mais moi je pense personnellement que si la Cour européenne de justice va juger d'une certaine manière, ils vont trouver le lien entre la législation et la libre circulation d'un autre côté. Et de toute façon, je crois que ça revient tout à ce produit, la description du produit et les réglementations par rapport au produit. Et pour le moment, il y a plusieurs choses qui se passent dans les différents États membres, au Royaume-Uni, en France, et je crois effectivement qu'ils font trouver un chemin. Il y a eu tellement d'efforts dans la STPD et je ne crois pas qu'ils vont aller à l'encontre de cette décision. Et s'ils cherchent des raisons, ils vont les trouver de toute façon. Ils vont les articuler et ça sera la fin, en fait, du cadre légal traditionnel. C'est peut-être pourquoi aussi le travail, ce que qu'on réalise, va assister justement. Et certaines personnes vont utiliser ces standards pour minimiser la directive où le travail effectivement qu'on effectue au Royaume-Uni est énorme. Ce n'est pas une coïncidence. Et je pense qu'il y a eu une pollinisation des deux côtés. Et bon, ça fait des années que j'attends à dire ce mot pollinisation en setting de conférence. Mais je crois personnellement que ces deux pays vont produire quelque chose qui va se ressembler et qui sera le standard pour l'Europe, puisque c'est un marché énorme en Europe. Et si vous voulez produire quelque chose, il faut faire quelque chose avec les normes et les standards. Donc je crois que c'est d'une importance capitale et ça va donner la tendance pour le reste de l'Europe. Ou bien ils vont réguler, ils vont mettre tout dans une bonne réglementation, ou bien ça va se passer lentement. Mais de toute façon, les fabricants vont devoir respecter les réglementations. Concernant les contenants et pas les contenus du liquide, est-ce qu'on va pouvoir continuer à vendre des flacons de 30 ml verts? J'ai cru entendre que ça allait se limiter à 10 ml. C'est ça, la limite sera de 10 ml. Et ça, pour le coup, là, je parle personnellement, je ne pense pas qu'on va pouvoir échanger grand-chose. D'accord. Donc tous les flacons verts 30 ml, on déstocke et après on en achète. Enfin... Il y aura une période aussi de transition. C'est ça. Quand le texte sera transposé, oui, il y aura une période de bien, 6 à 8 mois, mais ouais. La limite est de 10 millilitres. La seule possibilité pour avoir un changement par rapport à cela, c'est un changement de directive précisément. Ouais. Et ça, c'est sur l'après 2016-2018. Donc peut-être qu'il y aura aussi un changement parce que plusieurs scientifiques expliquent que c'est avoir une voiture et devoir faire le plein tous les 30 km avec des petits réservoirs, avec des petites stations-service aussi. Donc on marche sur la tête par rapport à... Oui, c'est irrationnel. On met plus de liquide et donc de nicotine sur la peau quand on ouvre régulièrement des bouteilles de 10 ml plutôt qu'une seule de 30 ml. Enfin... Et c'est la même chose pour le rechargement. En fait, plus on recharge, plus on maximise les risques éventuels en cutané avec le e-liquide. C'est illogique, en fait. Après, la raison, juste pour vous expliquer un petit peu plus, la raison de ça, c'est tout simplement... à la commission, on a estimé que les fioles de 10 ml qui étaient laissées traîner quelque part, si un enfant... Moins dangereux à boire, mais 10 ml que 30 ml. Exactement. D'accord. C'est tout simple. Enfin, mais je pense que 10 ml, ça suffit pour un enfant.
ça change pas grand-chose entre 10 et 30, quoi. Mais bon. Je suis pas sûr. Ah. Je suis pas... Voilà. C'est ce que j'allais dire, effectivement. Il faut penser au fait que... Bon, ces idées qu'ils vont implanter et qu'ils vont intégrer sont basées sur l'A15 et le niveau de toxicité au-dessous de 25 millimètres, de millilitres, ils n'étaient pas au courant, en fait. Donc, il y avait le travail de Facilinos, de Docus, mais donc... Par rapport à la directive de 2016 et 2018, j'espère qu'il y aura des changements, parce que les fioles de 10 millilitres sont basées effectivement sur cette idée de, bon, moins il y a liquide, moins il y aura de problèmes en cas de gaspillage. Donc espérons que les fioles de 20 ou de 30 millilitres ne seront pas réintroduites sur le marché, parce que... Un autre sujet dont il faut qu'on parle en lien avec la directive européenne, c'est le FVI, c'est l'initiative citoyenne européenne. Donc en fait, après l'adoption, ou avant même l'adoption de la directive européenne, il y a des vapoteurs engagés, des associations qui ont souhaité contester les travaux de l'Union européenne via une procédure nouvelle du traité de Lisbonne qui permet, lorsqu'on leur réunit 1 million de signatures dans un délai d'un an, eh bien de faire une proposition à la Commission européenne pour modifier les orientations réglementaires qu'elle a pu mettre en œuvre dans le cadre des débats entre la Commission, le Parlement et le Conseil. Alors cette initiative citoyenne européenne, on la connaît bien en France et au Royaume-Uni. Ça sera peut-être difficile d'obtenir le million de signatures, mais c'est aussi une mobilisation des vapoteurs pour montrer qu'une autre régulation de la cigarette électronique est possible. C'est ce que disait Frédéric Ries aussi dans son propos introductif. Donc le concept de cette FIVI, c'est un concept fantastique. Donc c'est une initiative de par les citoyens et les personnes qui, par exemple les ONG, etc., WWF, ils ont d'énormes ressources pour atteindre leur public. Et le problème, c'est que nous ne les avons pas. Nous ne les avons pas, ces moyens. Mais par contre, vous avez contact avec vous, les vendeurs, les distributeurs, vous avez contact avec vos clients. Donc, il s'agit de transmettre ces informations, montrer le fait que ce soit vraiment très important. Et tous les jours, les gens se battent pour cela. Donc, il faut vraiment atteindre un nombre élevé de signatures et il faut plus de feedback des distributeurs, aussi des autres pays membres, par exemple non seulement la France ni le Royaume-Uni, mais tous les pays européens. Sinon, si on passe pas par vous, on peut pas atteindre ces gens. Donc on a besoin de signatures. France un peu au loin, mais je pense qu'ils prendront la parole dans la continuité de cette conférence très prochainement. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à la directive européenne, le FVI ou la nicotine ? Non ? Bon. Là. Je viens de repenser à ça, mais est-ce qu'il y a des composants qui vont être interdits comme le diacétyl ou les... Alors, l'Europe et les États membres doivent faire une liste. Notamment les huiles essentielles, tout ça. Une liste devra être établie par les États membres et l'Union en lien avec la Commission européenne, parce qu'actuellement, il y a des travaux de comitologie pour écrire les actes délégués qui vont permettre la transposition du texte. Mais c'est vrai qu'on est en train de participer à la FIVAP, à l'ECITA, avec aussi les vapoteurs, à la définition des composants interdits. Ça me permet de poser une question aussi à Laurienne, qui a été soumise sur le site internet du Vape Expo. Je vous la pose. Est-ce que les e-liquides de couleur seront interdits avec la directive européenne ? Ça rejoint votre question. Les colorants rajoutés, quoi. Bon, je pense qu'il y a une potentialité, c'est sûr. Les couleurs, c'est une bonne question. Peut-être qu'il faudrait ajouter quelque chose à l'expérience, parce que, bon, c'est pas lié forcément
lié donc à l'expérience, c'est quelque chose qui a une potentialité par rapport à la communauté des vapoteurs, non? Disons des gens qui sont habitués. Alors ça peut l'être. On ne sait pas, au niveau des groupes d'arômes, je ne sais pas, c'est clair qu'on en avait parlé avec pas mal de personnes par rapport aux composantes à l'intérieur. Il y en a beaucoup d'ailleurs au Royaume-Uni qui sont très populaires, qui sont très appréciées. Mais j'en profite ici pour préciser que voilà, il y a pas mal de choses qu'on ne sait pas au niveau des aspects plutôt nuisibles de ces produits. Et on doit faire plus de recherches sur ces produits, sur ces données, sur les liquides. Et on veut vraiment des études, je répète, précises, où on voit quel est l'impact, quelles sont les difficultés, quels sont les risques. C'est ça. Et vraiment, c'est le point central. Hein. Ce n'est pas la thérapie de remplacement. Non, il faut vraiment voir ce qui en est et qu'est-ce que ça va amener. Notamment des colorants, je crois savoir qu'elle a été plus abordée aux États-Unis. Le parallèle entre ce qu'a fait l'Europe avec la TPD et les États-Unis, la FDA, la procédure qui a été close en août, qui se poursuit néanmoins pour réguler les produits de la vape via le Tobacco Act. Vous, votre positionnement par rapport à ce qui peut se faire aux États-Unis, dans l'Union européenne, est-ce que les points faibles et forts des deux côtés de l'Atlantique, est-ce que vous voyez peut-être une voie médiane entre ce que font les États-Unis et ce que fait l'Europe? Je ne pense pas qu'il y ait un milieu entre les deux, on va dire, parce que ce sont des régimes de réglementation qui sont tellement différents. Je pensais que les défis aux États-Unis, par exemple, étaient de relever plus de chances, c'est-à-dire donner plus de chances, n'est-ce pas? Et bon. On ne sait pas encore comment sera la réglementation. C'est une proposition de loi et on va voir ce qui va être publié parce que ce sont vraiment des défis à relever sur cela. Hein. Attention, vraiment important, quelle sera la réglementation et on va devoir alors étudier et se pencher sur le sujet. Bon, je suspecte néanmoins qu'on ait la possibilité au niveau de la FDA donc de faire de nouvelles propositions et à ce point-là, d'essayer aussi de traiter la cigarette électronique de façon différente, n'est-ce pas? C'est ça le vrai défi à relever. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions sur la directive européenne. On mettra aussi sur le site internet du Vape Expo le lien de l'EFVI. Si vous ne l'avez pas signé, c'est le moment de le faire lors de ce salon. La prochaine conférence aura lieu à 16h et nous parlerons de la normalisation, standardization en anglais, et nous accueillerons des représentants de l'AFNOR en France et du CEN, du Comité européen de normalisation. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence et à tout à l'heure. Yeah.